C'est vraiment nos chats là? Ouais, c'est les nôtres. Ils ont même pas encore de nom. Non. Ils sont... Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis extrêmement content de faire. Regardez, je suis accompagné de notre cousin qui nous a rapporté une belle petite surprise aujourd'hui. Vous avez vu le titre, donc je pense que vous savez de quoi ça va parler. Et oui, Lily Rose, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'elle rêve d'avoir des chats. Parce qu'on en a eu un quand on était tout petit, mais bon, on s'en souvient presque plus. Et bah voilà, ça fait des années qu'il est mort, malheureusement. Donc voilà, depuis qu'on a déménagé, comme on a de l'espace, on s'est dit, bah tiens, il faut reprendre des chats. Du coup, le cousin les a apportés. Alors, on va pas vous les montrer en détail, regardez, ils sont là. C'est des tout petits chatons, tout mignons, tout comme ça. On fera les présentations juste après, parce qu'il faut les faire découvrir à Lily Rose. Donc là, on va les remettre dans leur petite, petite cage, là, pour les porter. Et on va les montrer à Lily Rose en secret. Je vais lui annoncer qu'on a une surprise pour elle. Donc, on se retrouve tout de suite. Je pense qu'elle va être super contente. Lily Rose, je peux rentrer? Oui. Ça va? Ouais. Ok, bon, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Là, je l'ai démarré pour expliquer ce qui va se passer. J'ai expliqué aux abonnés. Je pense que t'es pas prête. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une vidéo où on va te faire une méga surprise. Mais quand je te dis une surprise, là, c'est pas un nouvel iPhone, c'est pas une tablette, c'est pas... Enfin, bref. Ok. Alors, j'essaie de te faire deviner. C'est un truc duquel tu rêves depuis plusieurs années. On t'a toujours dit non, et même hier, t'as encore demandé et on t'a dit non. T'as pas une idée? Non. T'es sûre? Non. T'es sûre et certaine? Non. Bon, attends, ferme les yeux. Ok. Alors, tu vas, mets-toi contre le mur, tu fermes les yeux. Okay. Et peut-être que tu vas deviner au bruit, ok? Ok. Ok, donc je demande, il y a le cousin qui est là. C'est bon, tu peux rentrer. Vas-y, viens. Oh, j'ai hâte de... Tu reconnais au bruit ou pas? Non, pas encore. T'es sûre? Il n'y a pas trop de bruit pour l'instant. On entend juste un tout petit peu. C'est bon? Vas-y, tu peux ouvrir les yeux. 3, 2, 1. Oh, un chat! Et non, c'est pas un chat. Oh, il y en a deux, mais... C'est deux petits chatons. C'est vraiment nos chats, là? Ouais, c'est les nôtres. Ils ont même pas encore de nom. Non. Ils sont nés il y a un mois et demi, coucou, environ. Donc ils n'ont pas encore de nom, et d'ailleurs les amis, s'ils n'ont pas encore de nom, c'est qu'il y a une raison, parce que moi ça fait environ un mois que je sais qu'on va avoir les deux chats qui sont réservés, etc. Donc mettez des propositions de nom en commentaire, mettez des propositions pour les mâles et les femelles, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un mâle, une femelle, etc. Donc c'est vraiment magnifique, et Peppa Pink les a toujours pas vus. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, Peppa Pink est même pas au courant qu'on va avoir déjà, je l'ai pas prévenu. Donc on va voir la réaction de toute la famille. Là on va laisser les chats profiter un petit peu de la chambre, découvrir. Et il y aura aussi dans cette vidéo la réaction de Peppa Pink. Je pense qu'il va être choqué aussi. Regardez, ils se font déjà bien. Ils se font déjà bien à leur environnement alors qu'ils viennent d'arriver. Regarde, dans les crocs, dans les chaussures. Et du coup, Lily Rose, je vais te montrer, on a préparé plein de choses pour eux. Okay. Et c'est pas fini, parce que il va y avoir carrément une chambre dédiée aux chats dans notre maison. Donc on va vous montrer quelle pièce c'est. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce qu'on a préparé. Parce que Peppa Pink est toujours pas arrivé. J'ai hâte de lui faire la surprise, parce qu'il voulait pas de chat, mais il est fan de chats. Donc à mon avis, il va être content. Donc c'est cette pièce-là. Donc là-bas, il y a la cachette gaming. Cette pièce-là, il va y avoir des arbres à chat, il va y avoir des trucs pour les griffes, toutes leurs croquettes, etc. Donc ça sera vraiment une chambre réservée aux chats. Ça sera la cat room, on va dire ça. Pendant que tu faisais tes devoirs, du coup, on a installé quelques petits trucs pour les chats. Donc ça, c'est vraiment le début. Donc il y a une petite litière, un petit gratte-gratte, là, des croquettes, de l'eau pour qu'ils soient bien. Parce que sinon ils vont faire leurs griffes sur le canapé et ouais. Là j'ai pas envie d'en racheter un tous les 6 mois. Regardez. Regardez-moi. Il est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez ses yeux, ils sont vraiment bleus là. Et lui aussi. Il a une tête un peu aplatie, ça va être très mignon. Et lui aussi, regardez comme il est mignon. Donc de toute façon, vous allez voir, on va faire beaucoup de vidéos avec, on va vous montrer et vous allez vraiment les voir grandir. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous raterez rien et vous suivrez l'évolution des chats. Et moi j'ai trop hâte, vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais de voir la réaction de Peppa Pink quand il va voir ça, parce que comme je vous ai dit, il est pas au courant. Donc je pense que, vas-y, on va les mettre dans une pièce et quand il arrive, on lui fait la surprise, ok? En tout cas, t'es contente? Ah ouais, là je suis trop contente là. Depuis le temps que t'en voulais là, franchement. Ouais. Regardez-moi ça, cette mignonnerie trop mignonne.
Voilà, regardez, les amis, on les a remis dans la chambre de Lily Rose pour attendre Peppa Pink qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Ouais. Et on a galéré à les faire revenir dans leur petite cage parce que bon, la maison est assez grande. Oh non, je pense que c'est Peppa Pink. Attends, ferme. Allez, non, pas, allez, hop, on va fermer la clé. Je vais finir mes explications. Il est déjà arrivé en fait. Ouais. Et ils sont allés derrière le lave-vaisselle. En dessous hop de la là. Cuisine. Ouais. En dessous et ils ne voulaient plus sortir. Derrière le lave-vaisselle, ils ne voulaient plus sortir, ils s'étaient endormis. Regardez, il y en a un qui est parti à l'autre bout. Essayez de le rattraper parce qu'il faut faire la surprise que ma Peppa Pink. Lui, c'est le plus timide pour l'instant. Oui. Et il sort très peu de sa petite cage alors que lui, il est déjà allé explorer plein de trucs. Là, je pense qu'on ne le voit même pas. Est-ce qu'on va le voir? Regardez, il est là-bas au bout. Allez, essayez de le ramener et comme ça on ouvre Peppa Pink. Ouais. Les amis, j'appréhende vraiment, je suis vraiment stressé de sa réaction. Parce que comme il voulait pas de chat du tout ici, il adore les chats mais il voulait pas de chat, j'espère que ça va bien se passer. Bon, on a réussi ouais. à le rattraper, on a mis au moins 5 minutes. Ouais. Il voulait pas partir dans le dessous du lit. Vas-y, prends la petite cage, on se met les par terre parce que je veux pas qu'il y ait. S'il retourne en dessous, on est eu. Allez, donc c'est parti, on va les mettre ici, les remettre sur les trempeaux, comme ça ils vont pas descendre. Et on va ouvrir à Peppa Pink immédiatement. Ouais. Je pense que là, il va avoir une sacrée surprise. Bon, maintenant bon, tu peux rentrer. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que vous manigancez? On a une petite surprise. Ouais, alors, c'est encore pas, un c'est prank. Pas un prank. Non, ouais, c'est pas un j'ai prank. L'habitude avec vous là. Non, c'est une vidéo qu'on a vous déjà allez, commencé. Attendez, vous allez me jeter un seau d'eau, un truc non, comme non, ça. Non, c'est une vidéo qui a déjà commencé. T'inquiète pas, tu peux venir refermer les yeux. Ouais, d'accord. Tu vas toucher attends, un truc. Tu vas toucher un truc. Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète. Ouais, non, c'est. Tu vas mettre ta main sur quelque chose. Ouais, dans l'eau chaude ou un truc non, comme non, ça. Non, non, c'est non, un prank. C'est pas des pranks qui font mal. T'inquiète pas. Allez, viens. Attention. Baisse-toi. Baisse-toi un petit peu. Je crains. Baisse-toi un petit peu. Regarde. Oh, c'est quoi? Un petit chat. Deux petits chats. Oh, il y en a est mignon. Ouh là là, une griffe. Oula. Voilà. Bah ça va, t'es pas. Ah bah non, moi j'aime, j'adore les chats. Mais en fait, pas. Bah tu sais pourquoi? Regarde, il y en a deux. Regarde, il y en a deux. Oh, vas-y, prends-le. Oh là là. Accroché. Non, c'est parce qu'il a accroché ma chemise. Mais t'en voulais pas pourtant. Bah tu sais bien pourquoi, avec la sorcière. Et qu'est-ce qu'elle va faire la sorcière si elle voit les deux chats? Ah ouais, peut-être qu'elle va vouloir les transformer. Elle va vouloir les transformer, moi j'adore les chats, mais après j'ai peur pour les enfants. Qui nous a ramené ça, et regarde un deuxième chat, alors lui il est timide, il veut pas sortir. Parce que la sorcière elle risque de leur faire manger des limaces ou des araignées. Noir aux yeux bleus. Oh, il y a un chat. Montre-moi le deuxième. Il y a un chat oh là, noir qui avec sont des mignons. Très beaux poils, des très beaux yeux. Il est ici. Voilà, j'ai peur pour le noir parce que la sorcière elle aime bien les chats noirs. Ouais, bah ça c'est sûr, c'est le chat de la sorcière. Voilà. Et donc on a encore choisi les prénoms et on demande aux abonnés de mettre de choisir en des prénoms originaux pour le noir ouais, pour et pour le gris. Donc je dis dites-nous le chat gris, je veux qu'il s'appelle comme ça, le chat noir, je veux qu'il s'appelle comme ça. Donc les amis, vous inquiétez pas, il y aura normalement des vidéos avec les chats si Peppa Pink veut bien les garder. On verra. Bah oui, moi c'est la sorcière qui me fait que je crains le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste là et à vous abonner si ça vous fait plaisir. Allez, non, viens, à plus avec les chats.